بنادم اليوم يزور أهله، بنادم اليوم يزور أهله، الفرح والهنا يكمل له، الفرح والهنا يكمل له، وطلب ربنا يغفر له إلا هو يدوم، وعلى النبي الشفيع نصلوا في نهار اليوم، نصلوا نهار اليوم d'accord. Voici la vacance. Oui. المهم هو رانا جينا وبرساله تفاؤل برساله حب، ونقول لكم بصراحه ولو شفت الاطفال والامهات الاراده كبيرة قوية. Et justement, je suis avec Monsieur le Ministre Hamid Green pour faire une petite synthèse. Monsieur Hamid Green, là vous êtes en direct sur la chaîne 3 pour la synthèse. Là franchement, à travers cet élan de solidarité, on voit un petit peu la force des médias et la force de la radio à travers ces appels. Écoutez, la force des médias, je veux bien. Mais il y a d'abord la force des malades que j'ai vus. Des enfants cancéreux. Certains ne sont pas sûrs d'être guéris. Et ces enfants-là nous donnent une très très belle leçon de courage, madame. Les enfants, mais aussi les parents. Ils ont gardé le sourire, ils ont gardé la foi, ils ont gardé surtout la confiance dans l'État algérien. Certains d'entre eux m'ont donné des messages pour le président de la République. Certains d'entre eux m'ont envoyé des messages au ministre de la Santé, M. Bouzaïf Abdelmalek. Et ce qui est formidable, c'est aussi cet élan de solidarité, au-delà de la radio, parce que au-delà de la télé, c'est la solidarité des Algériens. J'ai à mes côtés la présidente du Croissant Rouge Algérien, qui fait elle aussi un formidable travail. Et le plus important, c'est de soulager un tant soit peu les souffrances. Mais je peux vous le dire tout de suite, ici et maintenant, madame, c'est un moment extrêmement pénible, douloureux, pour ceux qui sont, je dirais, comme nous, de passage. Parce que la vraie souffrance, la seule souffrance, c'est les parents qui l'endurent. Les enfants ne sont même pas conscients, même s'ils sont privés de l'espace vital qu'ils ont, de jouer, etc. C'est les parents qui souffrent. Et j'ai bien compris la souffrance et le courage, comme je vous l'ai dit, et la patience, sabr, des parents.